bien. Ouais, il va venir. Ouais, on fait le dessiner, on dessine ensemble. Ouais. Et pourtant, comme il est dessinateur. Il va vous montrer des choses. Ouais, il va me montrer quelque chose. Et alors, tu voulais lui dire aussi que tu avais hâte qu'il vienne. J'ai hâte de le rencontrer, venir nous montrer beaucoup de choses dans le métier du dessin, la décoration. Parce que Il ça va vous pourra nous apporter quelque chose. Et puis vous allez lui montrer des choses aussi. Tu vas lui montrer ton travail aussi, Ali. Hein. On veut juste lui montrer le dessin qu'on a fait dans notre petit. Ouais, tu peux montrer ton carnet si tu veux, Mariam. Juste, tu lui montreras le 19, mais. Oui. Ah super, il y a des choses que j'ai pas vues. Ils sont des élèves de moi. Ça aussi. Donc super. Vous avez dessiné le crayonné? Le crayon et après on a dessiné avec le feutre. Ouais. Et après, on a gommé le dessin de crayon. Ouais, et ça s'appelle comment cette étape-là où on passe avec le feutre tu... Ouais, Mariam l'a dit. L'ancrage. Aujourd'hui, vous avez travaillé sur l'ancrage. Youssef. On dessinait sur le manga, ça s'appelle Vegeta. On dessinait en crayon, et on fait l'ancrage. Ouais. Après, on fasse le crayon. Avec la. Avec quoi? Avec la gomme. Ouais. Et qu'est-ce que tu feras ensuite? Qu'est-ce qui manque encore? La couleur, voilà. Mise en couleur. Mise en couleur, super. Donc Badradine, ce que tu peux montrer, c'est que tu as fait deux personnages, toi. Voilà, derrière, il y en a un deuxième. Tu peux voir le deuxième, on l'a pas bien vu. Voilà. Montre le deuxième. Voilà. Tu leur as donné des noms? Non, pas encore. Donc là, on a le travail de Mamadou, qui a fait un personnage avec des bottes. C'est ça? Ouais, avec des bottes. Est-ce que vous pouvez me montrer les outils que vous avez utilisés là? Comment ça s'appelle? Ça s'appelle calame. Ah non, c'est pas celui-là le calame. Est-ce que quelqu'un se souvient? Une plume, c'est ça. Stylo noir. Ouais. Feutre, ouais, super. Et ça, comment ça s'appelle? L'encre. Super. Ça c'est mon personnage. Ouais. La tête. Alors la tête, je filme la tête. Et le corps. Et qu'est-ce que tu peux nous dire sur ton personnage? Son nom c'est Sidia. Ouais. Il a 18 ans. D'accord. Tu as des idées de ce que tu vas raconter comme histoire avec ce personnage? Oui. Ouais. La prochaine fois, on pourra travailler dessus. Et là, on a super le personnage de Mariam aussi. Il est beau, hein? Il a là sa tête. Et là, je vais dessiner son corps. Super. Son nom est là. Et son âge. Super. Donc la prochaine fois, si tu veux, tu pourras mettre de la couleur dessus.